Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Si on sortait, un Si on sortait spécial Noël. Aujourd'hui, on est en plein cœur du marché de Noël de Lens. Les chalets, les illuminations animent la place Jean Jaurès. Allez, tout de suite le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, une exposition à Fouquier-les-Lens, la rencontre avec Philippe Millet, les derniers spectacles de l'année à l'Arc-en-Ciel de Liévin et pour terminer, l'agenda. Une exposition à Fouquier-les-Lens sur les tracas des familles fouquieroises pendant la Première Guerre mondiale. Tout de suite le reportage. Donc je me suis intéressé à la vie des civils fouquierois qui furent prisonniers dans la ville à partir du 3 octobre 1914 jusqu'à mi-avril 1917. Suite à la reprise de Vimy par les Canadiens, les Allemands ont décidé de se débarrasser de ce qu'ils appelaient les bouches inutiles et progressivement, en 4 convois, ils les enverront vers la Belgique. Pour 3 convois, un des convois, le troisième, sera dirigé vers les mines de Valenciennes. Alors la motivation, c'est de mettre un petit peu à l'honneur, entre guillemets, ce qu'ont subi tous les habitants de Fouquier-les-Lens en particulier, mais qui pourraient être pris pour toutes les communes avoisinantes qui ont subi le même sort. Ces familles ont éclaté, tous ont eu des parcours différents, et pendant 4 ans, n'ont quasiment pas eu de nouvelles des uns et des autres. Je me suis aperçu que pendant toutes les festivités du centenaire, pendant ces 4 ans, on n'a quasiment jamais évoqué la vie des civils dans toutes les villes et villages qui ont été occupés pendant ces 4 années par l'armée allemande et dont les habitants qui s'y étaient restés furent des prisonniers à l'intérieur même de leur ville ou village. Les documents, bon, je les ai eus au fur et à mesure depuis qu'on a commencé à faire des recherches historiques et certaines personnes de Fouquier-les-Lens m'ont permis d'aborder des gens qui malheureusement ne sont plus là aujourd'hui et qui avaient, eux, vécu cette époque. On retrouve des photos. Mais ce qui est le plus intéressant, ce sont des courriers de cette époque, soit entre militaires et parentés, soit entre justement ces gens qui ont vécu un parcours incroyable et qui ont raconté par courrier ce qu'ils avaient vécu à des membres de leur famille. Des chalets, mais aussi des animations sur le marché de Noël de Lens. Pour nous en parler, je pars rejoindre tout de suite Monsieur Philippe Millet. Bonsoir Philippe Millet. Bonsoir Nathalie. Comment allez-vous ? Très bien. Pas trop froid, ça va ? Un petit peu quand même, c'est la première journée où on a quand même des températures assez basses par rapport à 10 jours. Et donc oui, il fait un peu froid, puis je crois même aux pieds, hein, il me semble. Hein. Alors, vous êtes conseiller municipal délégué aux événements festifs à la ville de Lens. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos missions ? Alors, ma mission principale, c'est de donner, je dirais, à la ville de Lens des animations à l'extérieur, puisque ma délégation est justement faite pour ça. Le marché de Noël en fait partie, notamment le carnaval avec les Géants Lensois, hein, avec l'association des Géants Lensois, bien sûr. Le 13 juillet, également la fête de la musique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi ? La place aux enfants, toutes ces choses qui sont à l'extérieur, où les enfants viennent s'amuser, voir du spectacle. Alors pour revenir au marché de Noël de Lens, hein, les premières traces des marchés de Noël en France datent du 15e siècle, mais le nôtre ici à Lens, c'est la 5e édition. Alors c'est la 5e édition dans le cadre de ce qui est proposé aujourd'hui, sachant que le marché de Noël était également avant. Que nous arrivons, l'équipe municipale avec monsieur le maire Sylvain Robert. Il y a eu un flottement et nous avons remis au goût du jour justement ce marché de Noël qui a débuté de façon très, très légère.
puisqu'on a travaillé un peu à l'arrache, puisqu'on avait été élu en fin mars 2014 et il a fallu travailler le marché assez rapidement. Donc on a pris avec les services techniques et ils ont fait un effort extraordinaire de reconstruire les chalets. On en avait une quinzaine à l'époque. On a pris un petit carrousel, pas comme celui que vous voyez derrière, et un petit manège pour pouvoir lancer le village de Noël comme vous le voyez aujourd'hui. Alors, on retrouve combien de chalets? Quels sont les produits qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché de Noël? Alors, aujourd'hui, on est sur une base de 30 chalets. Par rapport à la configuration du parvis de l'hôtel de ville, on ne peut pas pour l'instant en mettre plus. L'idée, c'est d'augmenter, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on essaye d'avoir des produits innovants et monoproduits, pas retrouver sur les mêmes chalets des choses identiques pour que tout le monde au niveau des commerçants non sédentaires puisse travailler. On a aussi bien des produits de bouche, hein, qui est quand même la vocation première de ce marché-là, mais également maintenant, sur la trentaine de chalets, des cadeaux, des petits bijoux de dernière minute que vous pouvez trouver pour faire le cadeau qu'on ne trouve pas ou qu'on cherche et puis que ça se fasse sur l'anse principalement. Alors, des animations qui auront lieu pendant tout le marché de Noël, hein, jusqu'au 23 décembre, c'est ça? Des ateliers, des déambulations, quelques peut-être des détails là-dessus, monsieur Millet? Oui, alors oui, bien sûr, des animations principalement le mercredi, le samedi et le dimanche, comme aujourd'hui, vous voyez derrière nous notamment des échassiers. On a aussi des déambulations qui vont être faites par Shopping Lens, l'union commerciale. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y avait un carrosse avec des montgolfières dessus. Et donc on a diverses animations et avec, notre animation star et phare qui aura lieu le 23 à partir de 19h45 sur le parvis de l'église Saint-Léger avec la descente du Père Noël, un conte en mapping et puis un feu d'artifice. Bon, ben plein de choses, plein d'animations à ne pas rater. Pardon. Donc, impossible pour vous de rater ce marché de Noël. On vous invite à venir nombreux, c'est jusqu'au 23 décembre. Et d'ici là, ben moi, j'ai repéré quelques petits cadeaux pour un Noël bien festif. Allez, je vous laisse. Hein. À bientôt, monsieur Millet. À bientôt, Nathalie. Merci. Les derniers spectacles de fin d'année à l'Arc-en-Ciel de Liévin, c'est David Six qui nous en parle. Ben alors, t'es encore là? Alors, on va terminer l'année 2018 en beauté. Je consulte la plaquette de la saison culturelle de la ville de Liévin. Qu'est-ce que je vois page 16, et non pas page 16? Le spectacle bleu, c'est un spectacle du Théâtre de l'Aventure qui aura lieu le mardi 18 décembre à 18h, notre séance toute publique. C'est autour d'un enfant qui s'appelle Zoff, qui est curieux, qui a l'appétit de découvrir. C'est une pièce autour de l'étouffement, de la peur violente. Le mot bleu est inspiré par une toile de Juan Miró. Voilà. Après, on termine. Alors là, c'est vraiment la fête, la joie. C'est monsieur Pinocchio qui va venir à Arc-en-Ciel. Pinocchio, est-il encore besoin de le présenter? C'est un spectacle pour la famille, tout public, le dimanche 23 décembre. À 16h, c'est un spectacle de la compagnie L'éléphant dans le bois. On peut dire que c'est du théâtre musical. Mais hélas, c'est complet aussi. Mais bon, voilà. Effectivement, c'est complet, mais justement, si vous aviez eu cette plaquette, la saison culturelle, vous auriez pu donc appeler Arc-en-Ciel et vous renseigner. C'est vrai que beaucoup de spectacles sont complets, mais nous, notre souhait, c'est à l'année, faire une programmation qui est très variée, qui puisse toucher tous les publics. Donc, je pense que qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire plus, on trouvera toujours de quoi faire en venant à Arc-en-Ciel et à Liévin, parce que je parle de Arc-en-Ciel, mais il y a aussi la bibliothèque, il y a des animations dans les centres sociaux, voilà.
spectacle ce vendredi 14 décembre à 20h à la Fabrique théâtrale de Los Angoël avec Antinéa par Sandre Larouge et la compagnie Métal à chahuter. Les samedis 15 et 29 décembre à 16h, des visites comptées du mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette avec Elodie Kouekou. Venez profiter du marché de Noël à Saint-Angoël les 15 et 16 décembre à la Halle des Sports Liberté, mais également de celui d'Avion les vendredis 14 décembre de 14h à 20h et samedi et dimanche de 11h à 20h. Notez également dans vos agendas le concert gospel Christmas Show le jeudi 20 décembre à 20h à la salle Marguerite à Saint-Angoël. Du gospel également à l'église Saint-Léger à Lens le 16 décembre à 16h30 avec New Gospel Family. Dans le cadre de l'exposition Amour du Louvre-Lens jusqu'au 21 janvier 2019, un géocaching amoureux en quête d'amour dans toute l'agglomération de Lens-Liévin. Voilà, votre magazine Si on sortait est terminé. Oui, c'était le dernier de l'année. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, festives, en famille. Nous, on se retrouve l'année prochaine. D'ici là, trouvez la sortie.